Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. L'heure est grave. Attention, tous ceux qui utilisent Uniswap, vous devez regarder cette vidéo-là. Tous ceux qui ont la monnaie Uniswap, vous devez regarder cette vidéo-là. Tous ceux qui utilisent la blockchain d'Ethereum, vous devez aussi regarder cette vidéo-là. L'heure semble être grave. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Comme vous le savez toujours, on va commencer avec la citation du jour. On dit, tous les projets n'ont pas encore dit leur dernier mot. Vous savez, en crypto-monnaie, la surprise est souvent agréable et désagréable. Aujourd'hui, le projet chouchou qui te fait des millions peut te faire des miettes. C'est-à-dire que des centaines de... des miettes. Ou le projet qui te fait des miettes peut te faire des millions. Donc, en crypto-monnaie, il n'y a pas... Nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir à 100% de ce qui pourrait arriver avec X ou Y crypto-monnaie. C'est pourquoi en crypto-monnaie, quand tu investis... Sachez le type d'argent que vous mettez en crypto-monnaie. Ne courez pas pour mettre en résumé tout ce que vous avez en crypto-monnaie. Sinon, vous allez le regretter. C'est pourquoi tu dois faire l'analyse du risque avant d'investir en crypto-monnaie. Si tu n'as pas cette analyse du risque, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es réellement foutu. Donc, beaucoup de prudence. C'est vrai que les cryptos n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le dernier mot peut être dit, c'est fini, je suis mort. Ou je vais ressusciter bientôt. Donc, dans les deux sens, c'est valable. Donc, reste vigilant et prudent, toi, crypto-investisseur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 70 000 dollars. 70 400 dollars. Le Bitcoin qui était à 72 000, qui est revenu à 68 000, qui repart à 70 000. Et dans cette affaire-là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre de l'argent dans le trading futur, en liquidation. En avant la musique, en avant la musique. C'est ça le risque. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, c'est ça que j'ai dit. En crypto-monnaie, il faut réellement être prudent. Il faut réellement être très, 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 très prudent. Alors, en crypto-monnaie, il y a certaines informations qui commencent par sortir. Oui, certains devanciers de la finance, Tim nous dit ceci. Il dit, hein, le Bitcoin va-t-il arriver à 250 000 dollars? Le Bitcoin va-t-il arriver à 250 000 dollars, les gars? Mais selon toi, toi qui regardes cette vidéo-là, selon toi, le Bitcoin peut arriver à 250 000 dollars? Si oui, quand? Oui, si oui, quand est-ce qu'il peut arriver? Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des suppositions et des analyses qui portent à croire que non, le Bitcoin va surpasser, va casser toutes les barrières. Moi, je crois que le Bitcoin, moi, je donne mon point de vue, je crois que le Bitcoin peut arriver à 250 000 dollars. Mais quand? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être toi, tu ne crois pas que ça va arriver à 200 dollars. Peut-être. Parce qu'ils sont à un événement, Bitcoin, Paris Blockchain Weekend, l'événement voilà, qui est important. Nous aussi, nous allons faire notre événement de la confraternisation à Lomo Togo. Je pense que tu serais présent. Tu serais présent. Les gars, tout le monde est invité à être présent à cet événement-là. Cet événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier. Donc, venez, nous aussi, on va faire notre événement de cryptophiles en Afrique de la communauté Cliquer pour gagner. Alors, je continue la musique. Parlant de crypto-monnaie, les gars, il y a certaines informations qui me font rire. Non, ça me fait rire. Ça me fait trop rire. J'arrive sur Uniswap parce que l'information sur Uniswap et l'analyse sur Uniswap est très délicate et importante. Mais, comme vous le savez, sur ces chaînes, c'est une chaîne d'information. C'est une chaîne d'information. Donc, on ne peut pas donner une seule information qui est énorme. Il y a tellement d'informations en crypto. Alors, donc, quand nous voyons, on nous dit Londres, un monsieur qui veut être élu, qui est candidat à la mairie de Londres, nous dit qu'il va donner 100 dollars, 100 dollars, 100, 100 libres, libres la monnaie, c'est pas de libre, ici on dit libre, 100 libres en quelque sorte de crypto-monnaie aux habitants de Londres. Aux habitants de Londres. Pourquoi il le dit? Vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'il veut avoir, il veut réellement avoir la possibilité d'être voté. Donc, pour être voté, il faut faire les pieds et les mains. Il faut dire ce que tu ne peux même pas faire. Il faut faire croire que tu peux faire. Et les gens vont croire, c'est ça la politique. Les gens vont croire que tu peux le faire. Et quand tu es élu, bon, c'est fini. Tu n'as plus rien à foutre. C'est comme cela. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, en crypto, mais il y a certains qui pourront le faire. Peut-être, je ne connais pas ce dernier, mais la façon dont il a commencé par vouloir faire la promotion des crypto-monnaies, tout semble être intéressant. Tout porte à croire que non, ce monsieur, ou bien ce candidat-là peut être intéressant.
On va battre campagne pour lui ici. On va battre Brahim Rose, je crois que c'est ça d'être une femme. On va battre campagne pour elle ici, apparemment, pour qu'elle puisse gagner les élections municipaux, pour être maire de Londres. Et on va voir, parce que Londres a trop de problèmes avec les crypto-monnaies aussi. Tantôt on dit, tel échangeur n'est pas permis, tantôt tel est permis, tantôt... Non, on est fatigué de ça. De toute façon, on va prendre nos 100 libres là et on va voir ce que ça va donner ou bien. Alors, une autre information. Alors, l'information sur Uniswap, les gars. Uniswap. Qui veut me dire qu'il ne connaît pas Uniswap? Tout le monde connaît la monnaie Uniswap. La monnaie Uni de Uniswap. Les gars, l'heure est grave. Uniswap a fait moins 14%. Hé, les gars, c'est beaucoup. C'est énorme. Uniswap a fait moins 14%. Regardez. C'était ici tranquillement. Regardez, vous-même regardez à 7 jours. C'est comme si c'est le déclin. C'est le déclin de Uniswap. Non, c'est les gars, regardez. Ça nous rappelle le FTX ou bien. Ça nous rappelle la Terra classique ou bien. Non, Uniswap était ici tranquillement. 11 dollars, 12 dollars. Même bien avant ça. Hein? Uniswap a quitté ici 3 dollars et d'un coup ici 5 dollars. D'un coup, pof. Elle a monté. Et aujourd'hui, on voit Uniswap faire cette chute-là. Mais cette chute-là, on va l'analyser, on va la décortiquer ensemble ici. On va l'analyser, la décortiquer parce que tu dois comprendre quelque chose. Tu dois vraiment comprendre. Avant de continuer, nous allons revenir sur Uniswap. Mais je tiens à vous informer que tous ceux qui utilisent Binance, tous ceux qui utilisent l'échangeur Binance, Binance a enlevé, comme vous le savez très bien, 6 parités, pas 6 crypto-monnaies, 6 parités. Les crypto-monnaies peuvent exister, mais la parité sur laquelle elles sont listées, qui est BEC, BNB, ID, Trust Token, MOB, BNB, OP, T, USD, RDSD, etc. Et UNU. En fait, encore UNU aussi ici. C'est pourquoi j'ai voulu faire la vidéo parlant plus de UNU. Uniswap en parité BNB serait désisté. Donc c'est grave. Ça c'est grave déjà. Alors je continue. Alors quand nous voyons cela, on se dit mais c'est chier, c'est grave. Mais au même moment, on voit que Binance ajoute d'autres parités, des nouvelles crypto-monnaies qui ont été listées, CKB, ENA, ETFI, etc. Ces crypto-monnaies sont en train d'être ajoutées en parité USDC, qui est le stablecoin de Coinbase, émise par la société dont Coinbase est majoritaire actionnaire Circle. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Binance s'allie plus maintenant à Coinbase, ou Binance fait ce qu'elle a l'habitude de le faire. Alors donc là, je continue ma vidéo. Au même moment, avant de revenir sur Uniswap, parce que franchement cette affaire d'Uniswap c'est grave et dangereux pour tout investisseur. On nous parle ici de quoi? De la difficulté du mining. La difficulté du mining, les gars. Le Bitcoin est en train d'atteindre son record. Elle a battu son nouveau record au niveau de la difficulté. Les mineurs, franchement, ce n'est pas facile. Hein? Les mineurs, ces mêmes mineurs qui sont en train de vendre leurs crypto-monnaies actuellement, ces mêmes mineurs auront des difficultés pour gagner de nouveaux bitcoins récemment. De nouveaux bitcoins, parce que la difficulté ne cesse d'augmenter. Donc, les gars, ça doit te faire réfléchir. Toi, investisseur, tu dois commencer par réfléchir. Si la difficulté augmente, les mineurs vendent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mineurs veulent nous... Ça ne veut pas dire que les mineurs envoient les bitcoins chez les changeurs qui sont... Ils veulent vendre obligatoirement. Souvent, c'est un attrape-niveau. Quand vous voyez une quantité de bitcoins envoyée sur un échangeur par un groupe de mineurs, cela ne veut pas dire qu'obligatoirement ils veulent vendre. Cela va vous pousser à vous vendre et à laisser là-bas, après retirer. J'ai déjà vu plusieurs grands projets qui ont fait cela. Ils envoient XRP, là, c'est la routine même. XRP, là, c'est la routine pour eux. Hein? Ils envoient là, une bonne quantité et les investisseurs disent, hey, c'est fini. Une grande quantité est envoyée sur Binance, sur Coinbase. Ils vont domper le marché. Et le marché monte et après il retire. Et toi, les gars, sont crypto, c'est plus dangereux que d'aller voir la drogue au bord de la route. Sérieux, c'est que la magouille est forte. La magouille en crypto-monnaie, il n'y a pas son deux. Non, sérieux, il n'y a pas son deux. En crypto, il n'y a pas son deux.
D'accord. Alors donc, je continue. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas dans l'éducation. Maintenant, venons-en maintenant sur UNU. Une fois de plus, Uniswap. Les gars, franchement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le fondateur, la SEC américaine, hein, commence par lancer un procès contre Uniswap. Uniswap, attention. Et face à ce procès-là, nous savons que la SEC américaine, on a déjà fait plusieurs vidéos. C'est pourquoi je dis, les gars, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Et on fait beaucoup de vidéos, hein, pour informer la communauté. Mais on vient à peine même de faire une vidéo sur ce projet-là, hein. Et Stakelayer, c'est une monnaie qui est en pré-vente. Allez regarder la vidéo pour mieux comprendre. Actuellement, mon inbox est surchargé parce qu'on est en train de donner le support à tous les membres VIP qui veulent prendre le risque. J'ai dit le risque d'acheter ça parce que c'est un grand risque, parce que c'est en pré-vente. Le risque est grand, le gain serait grand. Le risque est grand, la perte serait grande. C'est comme cela. Là, c'est comme cela. Donc, ceux qui veulent, en quelque sorte, s'en procurer et ont des difficultés pour s'acheter ces crypto-monnaies, si vous êtes VIP, alors vous avez le privilège de venir dans mon inbox, moi-même. Alors, je vous aiderai si vous êtes VIP. Mais pour être VIP, il faut cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo. Remplir ce formulaire et payer $100 avant d'avoir un consulting particulier privé que je pourrais toutefois te donner si tu as un problème. Pas juste pour un achat ou bien une analyse si je connais ou bien quelque chose de ce genre en crypto-monnaie. Je pourrais t'aider toujours en inbox. On a un groupe ferme aussi. Revenons maintenant sur Uniswap, les gars. Moi, franchement, aujourd'hui, mon inbox, franchement, j'ai déjà, déjà plus d'une, je crois bien, plus d'une quinzaine de personnes, hein, qui sont en train de prendre le risque dans le projet Stakelayer. On va voir ce que ça va donner. Et alors donc, je continue. Nous sommes en train de voir Uniswap qui ne cesse de descendre. Qui ne cesse de descendre. Et peut-être qu'il va encore descendre à cause de la SEC. Nous savons très bien que la SEC américaine est là pour mettre juste les bâtons dans les roues. Elle est là pour mettre la bataille dans le bout des investisseurs. Et ils ont lancé un procès. Et c'est fini. Les investisseurs de Uniswap ont commencé par paniquer. Les gens commencent par paniquer en disant non, c'est fini. Moi, je laisse le navire. Hein, c'est fini, Uniswap. Les gars, hey, si tu laisses le navire, tant mieux pour toi. Moi, j'ai dit ça. Je dis ça encore tout à l'heure dans le groupe VIP. Après avoir regardé cette vidéo-là, va dans le groupe VIP, écoute l'audio que je vais envoyer. Là, tu vas mieux comprendre. Tu vas faire juste. Donc, donne l'information et l'analyse ici rapidement. Donc, Adam, le fondateur de Uniswap, dit il n'est pas surpris. Il va affronter la SEC. Nous savons que Ripple est en procès avec la SEC depuis des années. Pourquoi maintenant je parle d'Ethereum? Parce que Uniswap, c'est l'échangeur par excellence. L'échangeur par excellence que, Ethereum utilise pour cette transaction. Hein, et maintenant nous savons ceux qui ont des Ethereum dans leur wallet descendre. Vous allez voir, faites une transaction en Ethereum, vous allez voir. Vous allez payer seulement que $2. $2. Or, avant Ethereum, on payait combien? 21, 22. Voilà, mais il y a certains qui ont payé 30. Il y a certains qui payent 15 aussi. Donc, nous voyons combien de fois aujourd'hui c'est vraiment et Ethereum a diminué les frais. Et ça va donner plus une force à la monnaie de Uniswap. Mais au même moment, le procès de la SEC est en train de tuer Uniswap. Mais les gars, c'est comme cela. C'est un jeu à double tranche. Moi, je crois bien que Uniswap, hein, c'est l'un des swappers par excellence. Et si Ethereum avance, Uniswap va avancer aussi. Si les ETF d'Ethereum sont approuvés, vous allez voir ce qui va se passer avec Uniswap. Donc, moi, je vois avec un autre œil. Moi, personnellement, je dis... Moi, je vois avec un autre œil cette information-là. Je vois une opportunité, une aubaine. Oui, mais je peux toujours me tromper. Uniswap peut encore descendre jusqu'à comme l'a fait FTX. Peut-être déjà, ouais, ça fait déjà moins de 18%. Moins de 18% en 7 jours. Les gars, c'est beaucoup pour Uniswap. Qui a une capitalisation de $5 milliards et un volume de $787 millions. Nous voyons que le volume essaie d'augmenter. C'est-à-dire que les gens sont en train de vendre beaucoup leur Uniswap. Et nous savons que Uniswap a un mécanisme de gouvernance. Donc, le CEO de Uniswap nous dit simplement que lui va faire face à ça. Qu'on ne doit même pas s'inquiéter que lui va faire face à ça. Il n'est pas surpris. Mais, vous savez, il y a une chose. Qui sommes-nous pour faire un combat contre les régulateurs? Franchement, qui sommes-nous? En fait, ce qu'il a fait, il essaie juste de rassurer. Il essaie juste de rassurer les investisseurs.
Il dit simplement, la secte a décidé de se concentrer, d'attaquer Uniswap et Coinbase. Et en même temps, laisser les mauvaises intentions comme FTX. Donc, le gars me dit simplement que ce qu'ils ont fait avec FTX, ça, c'est ce qu'ils veulent faire avec lui. Mais il dit simplement, en fait, Uniswap, c'est une finance décentralisée et tout ça. Donc, les gars, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Donc, il dit, l'équipe de Uniswap fait tout aux États-Unis et son bureau est à New York. Et il dit simplement que leurs bureaux sont à New York. Ils n'ont qu'à venir dans leur bureau ou bien ils n'ont qu'à venir voir. Donc, en quelque sorte, les gars, le gars il sait ce qu'il fait, apparemment. On dit la mission de la SEC est de protéger les investisseurs. De protéger les investisseurs, d'accord. Nous, les investisseurs savent que nous sommes dans un écosystème risqué et très riskable. Et en se dirigeant vers Uniswap, Uniswap fait un bon travail. Et selon eux, ils font un bon travail. Et aujourd'hui, ils voient que la SEC va commencer par... Parce que vous savez souvent aussi, c'est ceux qui font par moment, c'est pas tout le monde, et par moment de bon travail, qui sont souvent aussi persécutés. Si tu fais un mauvais travail, tu ne seras pas aussi trop persécuté. Donc, il y a ça aussi, en quelque sorte, par moment. Donc, les gars, soyez prudents. Je m'arrête là et je continue la suite dans le groupe VIP. On se dit à la prochaine et ciao.